Bonjour à tous et à toutes, c'est TheJetFire81 et voilà, j'ai voulu tester un truc pour éviter de perdre trop de temps sur des choses inutiles. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis un accéléré des choses que j'ai fait, que je trouve un peu inutile de vous montrer en temps réel. Ça m'a pris 9 minutes, je voulais condenser à peu près 2 minutes. Enfin, vous voyez vite fait ce que je fais, je fais pas grand chose d'intéressant, c'est pour ça que je vous le mets quand même. Bon, vous voyez et tout, donc voilà, surtout que j'ai réussi à condenser ça en 2 minutes, c'est pas très long. Donc je suppose superpose ma voix par-dessus, voilà, pour vous expliquer que je ferai des trucs du genre quand il y a plein de choses à faire et tout pas très intéressantes, je les mettrai quand même au début en accéléré. Donc excusez-moi à l'avance s'il y a un décalage avec la voix et le et l'image, parce que j'enregistre dans un logiciel de capture de voix. Et en même temps, je regarde la vidéo sur mon logiciel de montage vidéo. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que j'ai essayé d'agrandir ma récolte de bambou. Donc voilà, j'ai essayé d'y poser tout autour du lac. Comme ceci. Alors, j'ai posé un peu tout autour. J'ai récupéré du bois parce que j'ai aussi... le projet d'essayer de faire une espèce de grosse forêt juste à côté de chez moi. Quand il n'y a pas de forêt, la forêt vient à nous. Donc je commente aussi un peu ce que j'ai fait. J'ai coupé 2-3 pouces d'herbe et tout pour essayer de récupérer de quoi faire un champ de blé. Donc je n'ai pas récupéré grand chose. Donc voilà. Après, je regardais ma petite maison là-bas. Voilà, voilà. Donc pendant que je commente bien sûr la vidéo, j'ai pas fait mes 9 minutes et après je me suis arrêté, j'ai tourné tout d'affilée, donc ça veut dire que je sais déjà ce que je vais faire par la suite, dans la suite de la vidéo. J'espère que c'est compréhensible. Donc voilà, ben c'est la fin et on se retrouve tout de suite. Allez, ciao ciao. Allez, bonjour et bonjour à tous, c'est TheJetFire81 et je pense mettre ma voix sur la partie que vous venez de voir juste avant. C'est pour ça que je dis bonjour et tout, parce que j'ai décidé de filmer. Je vous expliquerai tout dans la partie qui passera juste avant celle là donc voilà. Donc dans la partie précédente, vous aurez pu voir que j'ai fait ceci, des petites dalles en bois. Je vais vous expliquer tout de suite à quoi moi je les utilise. C'est pour faire tout simplement le toit. Je trouve que faire un toit avec ça, c'est plutôt pas mal, parce que voilà, ça laisse un espace au-dessus des fenêtres, ça fait pas compresser et ça nous fait un truc plutôt plat. Donc j'aime bien ça, ça m'évite de rajouter une hauteur à la maison, ça me fait un bon petit plafond. Bon petit plafond sympa. Donc voilà. Donc je filme à la suite de la partie que vous venez de voir précédemment. J'expliquerai tout dans cette partie. En fait, je me casse la tête à essayer de vous expliquer un truc que je vous expliquerai avant que vous voyez ça. Donc je suis un peu troublé. Sûrement ça sur une petite musique d'ambiance. Donc hop, je vais essayer de plus rythmer le de rendre plus rythmé le rythme des vidéos maintenant que j'ai rendu mon maintenant que j'ai récupéré mon ordinateur, mon internet, et qu'il n'y est plus censé avoir de problème. Je pense pouvoir rendre un rythme de vidéo un peu plus élevé. Je parle pas bien fort, donc je me demande si on entendra bien ma voix. Au pire, j'ai juste à baisser la musique si jamais il y en a. Baisser un peu les effets sonores. Et je boosterai ma voix dans le logiciel de montage vidéo. Donc, hop, voilà. Donc, oui, je pense que... vous allez comprendre ce que je veux faire. Je compte entourer tout le lac. Et une fois que j'aurai entouré tout le lac, ça me fera une production assez rapide de bambou. J'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours rempli tout le contour des étangs
etc. Donc hop, voilà où c'est qu'on va le planter celui-là. Parce que oui, je vais commencer à essayer de faire une espèce de petite forêt à arbres et tout, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Je me dis que si j'arrive à m'alimenter constamment avec des pousses d'arbres, ça pourrait être pas mal. Voilà pour l'épisode 2, donc pas de gros changements sur le gameplay de mon aventure. Donc j'ai dit que je pouvais faire un peu tout ce que je voulais. Donc pas vraiment de gros changements, mais des changements sont à venir. J'ai eu des idées et tout. Je vous en dis pas plus, je vous laisse un peu de suspense. Donc voilà. Hop. Ah oui aussi, dites-moi si je suis le seul à jamais avoir compris ça. Pour moi, quand tu prends un morceau de bois et que tu le coupes en deux, ça donne une demi-dalle. Non, ça donne le tiers d'une dalle. Alors que quand tu le coupes en trois, ça donne une demi. Un truc que j'ai jamais compris en fait. J'ai jamais compris la logique de ce craft. Après, je suis peut-être le seul, mais je trouve ça. J'en ai fait beaucoup trop. Triple idiot que je suis. J'espère qu'il n'y aura pas trop de gâchis au niveau des demi-dalles. Vous savez quoi? Pas de gâchis, je vais faire un début de sol en demi-dalle. Pourquoi je coupe tout autour du truc? Parce que je trouverais ça moche qu'on voit des demi-dalles sur le contour de mon espèce de cave. Comme ça, là, il y aura des blocs pleins et derrière, je peux me permettre de mettre des demi-dalles. Voilà. Avec Jet, pas de gâchis. Pas de gâchis, pas de chichi. Allez, allez, go. Donc, oui. Non, non. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je me justifiais sur la petite partie que j'ai filmée tout à l'heure sans parler et tout. Que je mettrais en accéléré. Alors que. Bon, j'arrête d'en parler, ça m'énerve. Je continue à jouer tranquillement. Je viens de penser à un truc. Franchement, les gens, ce qui serait génial, c'est qu'on rende les trucs en redstone plus petits. Et avec des sols comme ça, on pourrait faufiler les systèmes en redstone comme ça sous le sol. Ce serait génial. Permettrait de faire des trucs de fou. Sans prendre trop de place. 2, 3. 4 4 Voilà. Donc ça me fait un début de sol. Je vais voir s'il m'a lâché quelques pousses d'armes. Ouh. La récolte est bonne. Hein, je suis obligé de remplir tout l'endroit. De rendre cet endroit un peu plus forestier parce que sinon je vais vite être dans la merde jusqu'au cou. Ça va pas du tout. Voilà. L'autre il attend que je me tire pour pousser. Je t'aurais saleté. J'attendrai. Autour de cet arbre. C'est moi, je suis plus rapide avec le poing. Ça doit être moi. Je
Je me demande qu'est-ce qui est plus économique dans le fond, les demi-dalles ou les blocs complets. Alors là, ça m'en fait 18. De 18, je peux passer à... Oh, c'est beaucoup plus économique les demi-dalles. Avec 9 blocs, je fais 18. Ouais, je joue de façon beaucoup plus économique en mettant des demi-dalles en plus. Qu'on ne vienne pas de me dire que je suis radin. Je pense seulement à l'économie. Petite musique d'ambiance que tout le monde connaît maintenant. C'est 418. Donc voilà. Vous pourrez rajouter la technique de demi-dalle à votre livre spécial Gros Rapia. Je suis économe en mettant des demi-dalles à la place des blocs. Hop, tous au pieu. Donc oui, au début j'utilise beaucoup le lit parce que j'ai pas envie de me lever et de tomber sur des mobs chaque fois que je me... En fait, je préfère être un peu mieux préparé avant. Et il y a un lit, pourquoi pas s'en servir? Alors. Voilà, donc. Ah tiens, deux qui ont poussé. Hop. Système de... Le système de pousser les... de mettre les pousses d'armes, c'est pas tout à fait con. Ça permet de plutôt bien multiplier la forêt. Oui, le son me gavait un peu. Ça permet de plutôt bien multiplier la forêt. De me faire du bois constant sans besoin d'aller dans la forêt qui a Tatawin. Je sais même pas où elle est. Et vu que je crois que je joue en large biome. Allez. Copain du bois! Ça va. Je finirai pas pauvre en bois. Dès le début, j'avais vraiment mal senti le truc quand j'avais vu qu'il y avait aucun arbre. Ça va. De toute façon, dans Minecraft, pour un minimum qu'on s'en donne la peine, on s'en sort toujours. Bouf. Soixante-quatre piles. Bon, je vais pouvoir finir mon sol là. Je vais pouvoir le finir mon sol là. Donc hop, voilà. Je pense que une fois que j'aurai fini mon sol. Je couperai peut-être la vidéo après 2-3 ajustations. Excusez-moi du manque affreux de contenu dans les vidéos au début des épisodes, mais... Et voilà, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas grand-chose au début. Voilà.
On y est presque. On a bientôt quelque chose de potable. Oh là là, la connerie. Reste un peu de demi-dalle, c'est pas grave. Bon. C'est la fête à la pousse d'armes. Donc on va en mettre un là, un là, un là. Voilà. Voilà. Et je vais quand même pas trop surcharger le même endroit. Je vais couper celui-là. Donc, vous savez pas quel jour on est. J'ai tourné cet épisode, on est le 25. J'espère le poster pour ce soir. Ça serait pas mal, vraiment. Ça serait géant. Donc voilà, pour vous éviter, voilà, de vous taper des épisodes avec pas beaucoup de gameplay et tout. Je fais quelques trucs en off, comme vous le verrez au début de l'épisode. Ça pousse aussi vite que je coupe. Mais bon. Ah oui, en fait, je sais pas si je vous avais dit les Warriors of the Success, c'est fini. Quand j'ai perdu mes sauvegardes, j'ai perdu les vidéos. Donc, j'ai décidé que c'était fini. Voilà. Après, voilà, il y a. Je voulais malgré tout faire un survival, c'est pour ça que j'ai décidé de faire. De faire cette série. Et voilà. C'était aussi les Alice, ça avance plutôt bien. J'ai presque récupéré jusqu'à là où j'en étais. Darksiders, j'en suis toujours pour mettre le jeu en français. Et je me semble que j'ai dit toutes les infos que j'avais à dire. De l'autre. Vous savez quoi? Parce que je vais pas passer 20 plombes à couper du bois. Je couperai le reste en off. Donc voilà, je finis vite fait ma culture de bambou. Vous pouvez voir, c'est quand même assez efficace. Après, ce qui est bien, c'est quand ça pousse à 3 et tout. Si vous en mettez assez, vous pouvez faire des stacks. Hein, vous pouvez directement fonctionner par stack. Le cas. Hop, j'aime bien que tout soit droit, donc je rajoute le petit bloc. Volcan, j'ai dit. Hop. J'ajoute les quelques blocs pour faire le tour.
Donc. Et voilà. Ben, c'est la fin de cet épisode. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.